baby bon service. Radio Max changé local. Pour sa vie, tout haïtien. Tout haïtien natif natal. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nous changer position. Pas fait tête chose, c'est toujours même fréquence là. 104.5 FM stéréo. Mas écoute là, c'est référence là. Nous toujours numéro. Des belles images pour piquer puis belle programmation le ballon qui est les signaux le Max FM. On connaît pour qui ça nous remet émission équilibre là. Équilibre passe chaque matin sur Radio Max FM, sorti 10h pour arriver midi, sorti lundi pour arriver vendredi. Équilibre, c'est une émission sociopolitique. Ou avez une analyse sans force côté la donne. C'est une émission pas envoyé monter. Des bons besoins, émission politique, cap bon. Bon, j'analyse, invité du jour, suivre équilibre sur Radio Max FM, 10h midi. Branchez émission gros poète là. Équilibre avec ingénieur Watson Romelus, petit bon Jérémy Pile. Dans le ça, 10h midi, n'importe qui l'autre ou nous attendez, balance la penche en bon. Tendez équilibre. Combien de monde qui pouvait dire, en fait, l'autre couleur en chien. Combien haïtiens pour mourir, enfin décider de des pieds. Combien tirer d'une combien mort, enfin chef tous les serviteurs. Combien victimes, combien corps, enfin nous rêver, c'est assez. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission pour là, qui c'est l'émission équilibre. Et nous connaissons depuis les arrivées, le moment arrivé, c'est l'émission pour là qui entre la caillou. Et nous connaissons, je dis assez, c'est lundi, qui c'est premier sorti non pour ce maintenant. Et nous allons analyser, garder bagaille ensemble, ça qui a passé à travers le pays. Nous disons bonjour à PDG Panon, Jean-Max Cajus, Ricardo Romelis, Rigo Besson. Et bonjour à Khalifa qui a calé le bouton pour nous, et ou même qui la caillou qui a souffri, ou même qui est dans la rue. Et qui senti ou vraiment paniqué de ce qui a passé à travers le pays, et ou même qui sont dans l'hôpital là, qui a souffri, et qui prend balle dans la manifestation qui est organisée, ou bien manifestation yo, et qui a revendiqué des problèmes la vie, des gaz là qui montaient, qui ou pas capable de joindre la vie, ou pas capable de sourire. Nous disons bonjour, nous disons Kimbella, Kimbella, et Palagé, Kimbella, Palagé. Et maintenant, nous pourrons analyser ensemble avec vous et déclaration et secrétaire général et Nations Unies Affaires, qui c'est monsieur Antonio Guterres, côté qu'il fait connaître et ses gangs et ses gangs avec volé et puis qui a quelques secteurs politiques là-dedans qui te prend la rue, qui prend la rue, c'est la guerre entre gangs qui gagne. Et nous allons regarder tout et déclaration et premier ministre Ariel Henry et qui te dit merci à la police à la médaille d'Haïti et qui te dit monde qui dans la rue c'est voleur qui yo yé c'est voleur qui yo yé et c'est monde ça qui dans la rue. Nous allons regarder déclaration analyser déclaration ça ensemble avec vous et nous allons regarder tout et déclaration et sénateur Joseph Lambert qui est président et tire Sénat. Nous allons regarder après déclaration là le pays a été enflammé encore et nous connaissons Lambert a dit qu'il y a 25 ans depuis la travail pour américain et le peuple a considéré Lambert comme une traite nationale. Nous allons analyser ça ensemble avec vous et puis gagner une déclaration ancien sénateur Latibonite là et monsieur Yuri la tortue faire. Et côté qu'elle fait connaître, et Ariel provoquer population, Ariel provoquer et peuple qui a manifesté, et qui n'a misère, qui n'a grand goût, qui n'a crasse, nous allons regarder ça yo, et comme invité du jour, et n'a bien, et matin, qui c'est, et maître José Mérilien, nous allons analyser ensemble avec lui de ce qui a passé dans le pays, et nous connaissons. Et émission équilibre c'est émission groupe point là donc on est que nous toujours gain invité des marques qui ensemble avec nous et nous parler pour entendre José Mérilien et qui va parler un peu de ça qui a passé à travers pays là et sous tablier nom relais ingénieur Watson Romelis petite bon dire m'appelle là et Khalifa qui a calé bouton yo n'a propose là n'a tourner
Gen pile jeune qui apprend un paquet de métiers. Mais gen de métiers ou ta aimé apprendre, pas gen ken l'école professionnelle qui montre métier ça dans ville Saint-Marc. Union formation des cadres haïtiens UFDCH décide de montrer jeune yo conduit ak manœuvrer bako l'odeur ak camion. C'est deux matériels là qu'on conduit yo ou ka faire cop tout bon. Ou ap jeune de l'autre coup ça yo. Te couper désastre ak secourisme. Gon l'école professionnelle ça UFDCH ap travaille chaque samedi, chaque dimanche. Ap gen une nouvelle session chaque mois. Pour information, rele nan 3603 40 40 60 32 36 77 49 91. UFDCH, Union Formation des Cadres Haïtiens, Chita Koli, dans Cité Nelchion numéro 28, zone Petit Bois, local institution mixte Jean-Alix DCUS de Saint-Marc. N'importe jeune qui t'a aimé conduire et manœuvrer, n'importe qui bako l'odeur, ak n'importe qui camion, vin dans UFDCH, Union Formation des Cadres Haïtiens. Bonjour à tous les amis qui suivent l'émission GoPoint là, qui c'est l'émission Équilibre et qui passe sur l'antenne Radio Max chaque jour, de lundi jusqu'à vendredi, 10h pour midi. Nous avons M. Josier qui est ensemble avec nous, M. Josier Mérilien, nous connaissons qui c'est secrétaire général parti politique Combit qui est ensemble avec nous. Et M. Josier, bonjour, bienvenue dans l'émission Équilibre. Bon, nous saluons Mobilis, nous saluons toutes les habitudes et capitaux là. Et nous, c'est collaborateurs général Pino, donc il y a un regroupement de syndicats politiques, partis politiques et organisations populaires, et les Combits. Combits qui ont un pilage, qui est le mouvement de BKP pour la indépendance, qui a dit. Bon, initié en grande partie couvrement pour bien ce qu'on fait là. Et puis, le 31 juillet, il y a ensemble de citoyens, il y a ensemble de personnalités, etc., qui commençaient à mouvoir les récamper. Et qui, le 14 août, c'est son manifestation de Port-au-Prince, côté la police est réprimée. Et manifestation ça avec la piquante rigueur, mais plus tard, on a décidé de faire quand même des flottes et des sports qui ont dynamique qui a développé pour 22 août. Mais après l'autre dimension, qui je nous dis à Noël, qu'on va délivrer tout le pays. Donc, nous, en pleine mobilisation, pour nous vivre. Non seulement chavirer les jeunes gangs qui sont là, mais tout, et mettre l'autre équipe gouvernementale avec des gens honnêtes, des gens sérieux, pas résistants. C'est pas de collabos et sans caractère qui tout servir l'intérêt à l'étranger contre l'intérêt des peuples là. Donc c'est des gens, des haïtiens qui comprennent qui niveau de sacrifice que tout le monde qui doit venir. L'équipe gouvernementale, ça, nous gagnons pour consentir. C'est des gens qui vont aller chercher un job, ce n'est pas job plus que nous besoin. Nous avons des Haïtiens qui clairent que nos situations difficiles et que disposés pour des nations pour aider nos sociétés pour nous là. L'équipe gouvernementale, ça, ce n'est pas qu'on a beaucoup là-dedans. Et faut que ce n'est pas les Américains qui imposent et collaborent. Ils ont ce caractère d'un coup Ariel, des collabos d'un coup et Lambert, pour venir faire travail, puis HCK, travail, grâce au pays, travail, c'est bien faire des chandangs là. Donc, il faut nous surveiller ça, et faut pas vous surveiller. Surveiller pour que rapidement, nous arrivions au niveau de la mobilisation, qui oblige Ariel Henry, pour quitter, pour nous mettre contre d'un coup Ariel, et qui oublie. Deux, que nous gagnions au type gouvernemental. Tout neuf, avec des gens, des patriotes qui ont un pays et qui peuvent faire des sacrifices pour les pays à son côté là. Trois, au programme qui est établi que l'équipe s'appuie pour venir exécuter dans l'intérêt du peuple là et qui, pour arriver, satisfaire ensemble de revendications légitimes qu'il y a là. Parce que ça pense que la bataille là, pas seulement la bataille pour vous aller là, les batailles pour gaz, c'est bataille pour casser ce système là. Bataille pour que nous arrivions, parce que face à ça, ce n'est pas Américain qui veut imposer nous aucune collabo, aucune traite à la nation. Mais c'est nous, Haïtiens, qui ensemble, joignent
qui mon qui et qui faut grâce équipe là de gagner pour arriver porter des réponses concrètes à problème que Mais Josué et là on les déclarations monsieur Guterres et avec déclaration PM Ariel Henry moi ouais yo pas des pas non parce que yo dit comme ça que c'est gang qui dans la rue là et c'est volé qui dans la rue là c'est ça qui moi tout les dit moi yo lié dans déclaration pa yo par contre qui soit pensé c'est alors il y a bon corps gang international gang national qui fait corps sur lui qui fait corps groupe pour dire gang de territoire et PHTK pour gang et le local yo et ensemble collaborer donc il y a le même discours il y a même complotaille pour les complotaille il y a le même discours et parce que Guterres faut faire quelque chose de grave faut manifester une arrogance grave donc irrespect grave par rapport à peuple haïtien lorsque lui pour servir intérêt parle intérêt parce qu'il parle pour servir Ariel protéger Ariel l'a tenté criminaliser mouvement pour les stations peuple là, ça peut être décrédibiliser le mouvement pour faire connaître que c'est bon, ça capacité là, c'est gang qui a été il y a et que il y a des secteurs politiques, des secteurs et dans le business là qui infiltrent le mouvement gang. C'est justement le contraire de ce qui a passé là. Et moi, c'est se faire par mauvaise foi et par d'asie souci pour y arriver, pour des Ariel et craser. Pour nous signifier rejet nous de malveillance quelqu'un fait là, de arrogance de quantité, il respecte le manifeste mes amis de pays. Il y a pour nous dire que ce n'est pas ici un grand monde, ce n'est pas ici décidé américain, qu'un groupe l'ONU, pour qu'il vienne et quand c'est pays il vient dans la boue lui là, qui est dans la bouille, lui est là. Donc, nous pensons que c'est qui c'est le somme, ça somme. Guterres avec Ariel, avec Biden, avec tout les réalités là, comme groupe, nous c'est même bagaille là parce que il y a le même projet pour anéantir Béia, pour craser Béia, pour que nous ne pas vivre. Et ça lui est là, c'est ou bien nous vivre, ou bien nous périr. Comme nous allons périr, de vivre. C'est de ça, nous avons continué la bataille là, jusqu'à ce que nous joignons. Ça, c'est comme résultat, retraiter, casser le système et corrompu, système gang, système pédagogique qui est là, établi au pays, pour nous faire vivre tout le monde, pour tout le monde qui a le droit à l'école, pour nous jouer sur la santé, pour nous travailler, pour nous manger, pour nous l'école, pour nous faire vivre tout le monde. C'est ça lié. Au pays côté, c'est pas l'étranger qui a dit que ça pour fait. Mais c'est nous, en fonction de ça, nous avons comme projet pour le pays qui doit dire que c'est ça fait, etc. Est-ce que ça veut dire que nous ne pas occuper Guterres, qui c'est comme un homme de main américain pour que le pays à côté de là, avec H.T. Caboïsid, poursuivre le pays comme de fait, tout le pays en forme pour l'immigration. Et nous avons continué, qu'il y a pays à tout ça, dans ce mois de mobilisation, parce que nous voulons joindre dans la question. Et dans ce mois de mobilisation, nous, nos situations très difficiles, côté solidarité, tout est concrète. Et je veux dire, tout le pays, tout haïtien net, pas haïtien qui est comme pour lui, comme nous, c'est pour nous. L'homme est comme vous-même, c'est pour tout le monde qui est côté vous. Cap combien là, on est mangé, c'est pour vous seulement, c'est pour tout le monde qui est côté vous. Qui grand goût, qui veut manger, qui besoin au minimum pour qu'aimer les batailles là. Donc, il faut une solidaire pour nous coller les épaules, pour nous lever, pour nous lever, pour la victoire. Et sorti pays à côté de là. Donc, là, pour dire tout le monde qui a pris le temps là, notre pays est net, nous avons le choix. C'est le choix que nous avons, c'est continuer la mobilisation pour nous rapidement, et pas Ariel, et quand d'un coup Ariel, toute l'équipe là qui était assassin, il a eu. Et camper, le gouvernement, il y a une transition avec des monde honnête, des haïtiens qui haïssent tout le monde, qui ont un caractère, et qui ont un souci. Pour travailler dans l'intérêt du pays. Des haïtiens qui ont des soucis pour faire le sacrifice qu'il faut pour des contributions pour les pays sortir de ce côté-là. Donc, ça veut dire, nous devons débrouiller le président Jean-Jacques,
malgré confusion de vérité, pour clarifier, et que ça qu'on l'aide, pour clarifier et confusion que et coup de Ariel et l'ambassade américaine à mettre là et la continuer gouverner hein chose que nous joignent la CCA je te demande toute population tout pays hein monter par cardio puis vont toujours pour signifier à Ariel à Congo à Biden que nous pas disposé qu'embé quoi ça c'est là il veut notre pays nous disposé aller jusqu'au bout pour y aller libérer. Mais mettre là on va consulter les déclarations et président du Sénat Joseph Lambert depuis la fin fait déclaration par là moi gien pile hostilité par contre qui soit penser de ça des hostilité ça yo que population gien envers discours Joseph Lambert. Mais Joseph Lambert te dit que il a 25 ans il a collaboré avec américain contre pays hein son collabo population comprendre connaît pourquoi ça pas prendre ça encore. Nous, Clinton lagué, Martelly dans nous ne pouvons pas prendre Lambert qui pouvait assurer le tout Martelly encore, récupérer ses cas encore, pour nous continuer une situation qui fait mal que ça s'en annule là. Donc, Lambert met des séquelles, j'en voulais. Peuple à connaître. Donc, peuple à pas prendre dans le coup Lambert. Bon, cas ça, quand Lambert son cas, nous mettons dans la poubelle. OK, le peuple va prendre la encore. Et bien qu'on y a la mobilisation là pour qu'il est nous là. Moi c'est que nous n'a mobilisé, n'a renforcé mobilisation, nous mettons tout pour l'égal, nous renforcer mobilisation, en tirer boulon Ariel pour que l'OTAN le corps nous veut départ Ariel et en planifier pour la vie renforcement Ariel là fait dans les pays là pour que nous puissions sortir réel. Non pas gagner d'année et une situation côté mais parce que tu parles au même et ça tu fais mais nous sommes une situation de révolte qui peut nous aboutir à un autre qualité de gouvernance politique à un autre pays côté nous qui vivons tant au monde dans dignité dans respect et côté tout le cas un homme de bien-être pour vivre correctement. Et maintenant mettre Josué dans mobilisation et mon Saint-Marcio gagne près de 6 monde et qui prend balle qui sous cabane l'hôpital qui mou d'encouragement ou bien de solidarité on voyer pour eux dans moment ça il a traversé ça nous pensons que monde qui victime c'est nous-mêmes qui victime c'est notre qui victime parce que comment on appelle ça pas comme pour le monde c'est pour le pays donc c'est que chaque fois qu'on victime c'est moi c'est vous-même c'est l'autre là qui est victime donc nous voyons c'est parce que nous et nous disons pas décourager nous comprenons que c'est ça qui arrive mais nous souhaitons une abaisse rapide. Et nous souhaitons que, dans un temps record, nous passions par ça et nous allions vers l'autre type de gouvernance politique et une autre qualité de pays qui peut être demandé là, côté, c'est pas à ça c'est qu'on chez nous, mais c'est des Haïtiens de qualité, des Haïtiens qui ont l'âme. Il y a ici qui est dans le pays, il y a ici qui est capable de faire sacrifier ce pays, qui est dans ce pays, et qui est prêt à faire tout ce capable pour aider le pays. C'est des problèmes qui bloquent nous, qui fait que je veux dire, nous ne sommes pas capables d'aller gagner un pays qui fonctionne correctement, pour les gens qui vivent correctement. Eh bien, nous sommes contents de recevoir notre émission Équilibre matin, M. José Merilien. Bon, si vous pouvez merci, nous sommes contents de parler avec vous, nous espérons que. Et tout le monde qui a capté là, et jouer un sérum, énergie, à travers le discours de la Bayer, pour nous vivre, qui est le gouvernement, et connaître que le gouvernement est de manière solidaire pour nous vivre. Nous t'apprécions voir M. José Merilien qui t'a parlé ensemble avec nous, qui t'a dit nous, et qui j'en ai dit, qui a mécontentement, et façon que PM Ariel Henry qui a mis tête pouvoir, et puis qui Jean qui et Gutiérrez monsieur Gutiérrez qui c'est secrétaire général Nations Unies fait qu'on est monde qui a manifesté yo et c'est bandi qui a manifesté et c'est gang c'est eux même qui dans la rue
et à quelques secteurs politiques, à quelques secteurs et business, c'est eux-mêmes qui mettaient volé dans la rue. Et ça veut dire, peuple haïtien qui a manifesté, monsieur Guterres et monsieur Antonio Guterres, et traiter moun sa de voleurs, des gangs, des mouns qui paguent en rien à revoir avec révolution, des mouns qui paguent en rien à revoir avec problème gaz, et que peuple a réclamé dit fok, et prix gaz a baissé, et il pas prend ça en cœur, il pas prend ça à cœur, excuse-moi, il pas prend ça à cœur, mais il plus garder et n'a beau pas là parce que et côté qui l'a pesé sous ces pays ça, côté qui les kembe pays en bas point yo, Nations Unies kembe pays en bas point et li et puis la et dès pas fini pays a, il presque disparaît pays a, mais je ne veux dire là non non situation et qui trop pour nous. Et nous connaissons discours et PM Ariel Henry te fait à tout et qui sont discours afflamés, il fait qu'on est pas un monde sérieux dans la ria et c'est volé qui dans la ria et c'est comme ça PM Ariel Henry te parle tout qu'on a si qui a regardé déclaration et monsieur Antonio Guterres il pas département à déclaration et PM Ariel Henry ou c'est dégoûté à cette cob c'est pas si prendre m'a passé chercher ou c'est Kabout Tomazo même plus mais ça veut dire il y a même intérêt il y a même boss il y a même patron mais ça fait pays a ça fait population qui a souffri amèrement et son population qui met à genoux qui après les bon Dieu pour tirer au secours parce qu'il y a pas capable encore il y a pas rien puis aussi porter encore et bagala difficile là et nous apprend pose là n'a tourné pour nous capable venir garder et déclaration monsieur Rosemont Jean qui c'est un militant et qui a goumé et contre et Ariel Henry contre pouvoir Ariel Henry a nous pral venir tant de déclaration Rosemont Jean te faire dans micro émission équilibre Radio Max émission gros point là.